Bonjour, aujourd'hui on va voir une petite astuce sur Excel. C'est comment présenter votre tableau de bord de cette façon. Ok? Donc on va dire comment commencer. On va par exemple écrire ici un exemple aléatoire. Ok? Les chiffres être 300, par exemple 500. Bon, donc je vais. Donc insérer un tableau comme ceci. Donc je sélectionne le graphique format et remplissage avec image, et je choisis ici par exemple coloration. Voilà, ici je colore pas le noir, et ici c'est peu comme ceci. Voilà, donc déplacer ceci un petit peu. Je clique ici et je sélectionne par la droite format 3D, et ici je paye ceci 50. La chose ici 50, voilà 50, ici 50. Voilà, donc exemple, je peux donc modifier ici par exemple comme ceci la 3D, c'est par exemple 560 560 560 560 560, voilà. Ici noir, ici format, je passe un petit peu, ici je fais comme ceci. Voilà. Je peux créer ici un titre. Voilà. Voilà. Ajouter donc ici des étiquettes. Et voilà donc votre tableau. Vous pouvez donc le visualiser comme ceci. C'est plus attractif. Ok? À la prochaine.